Ces dernières années, le ministère de la Défense s'est engagé dans une réforme de grande ampleur de son administration, de ses soutiens communs et des armées. L'implantation et le regroupement de son administration centrale sur le site de Ballard à Paris en 2015 est un jalon majeur de ce processus de modernisation. Ballard 2015 constitue la concrétisation d'un besoin de rapprochement des états-majors et des directions centrales. La guerre du Golfe au début des années 90 révèle ce besoin lié à l'interarmisation des opérations. En se regroupant à Ballard, l'administration centrale du ministère réduit ses effectifs et donc contribue à l'effort général demandé aux armées, directions et services, dans le but de préserver les capacités opérationnelles à l'horizon de la fin de la décennie. Plusieurs objectifs ont été fixés. Regrouper les différents acteurs de la gouvernance ministérielle pour une défense plus forte. Rationaliser les emprises immobilières parisiennes du ministère et mutualiser les moyens de fonctionnement et le soutien. Améliorer les conditions de travail du personnel affecté dans les états-majors et services centraux grâce à plus de proximité et de collégialité. À chaque niveau, un regroupement métier des compétences. Le personnel de chaque armée et service se trouve sur un même étage. Ce projet historique de regroupement des acteurs décisionnels de l'administration du ministère et des trois armées est considéré avec intérêt par nos alliés européens. Il confère au ministère de la Défense une nouvelle posture, interministérielle, nationale et internationale. L'installation du ministère de la Défense sur le site de Ballard, c'est une concrétisation tangible du mot d'ordre « ensemble, autrement, au mieux », qui va profondément modifier les modalités de fonctionnement de l'administration centrale du ministère. Thank you.